un cri d'alarme que nous-mêmes nous venons lancer pour une situation qui a traversé Nord-Ouest, notamment bas Nord-Ouest. Et bien que ce soit un problème qui, dans tout le pays, c'est un problème qui stresse. Actuellement, la situation est lamentable en bas aujourd'hui. Mais le problème, non, c'est pour un bagage qui concernait seulement la bombe de police BDN, c'est-à-dire concernait les quatre communes sœurs du bas Nord-Ouest. Et nous avons Ansouge, qui est ensemble avec les communes Ansouge, parce qu'on est géographiquement lié. Et pendant ce temps, le problème non, est lié tant sur l'autre commune, sur le plan national, lié tant sur l'autre commune dans le pays. Alors c'est juste pour nous être capables d'alerter ou bien pour nous être capables de nous faire intervention ça, pour nous être capables de porter à attention la communauté nationale, l'autorité de l'État, yo, l'autre branche dans le pouvoir, yo, de telle sorte que pour être capable de pencher, garder ce qui a passé dans le bas Nord-Ouest, notamment à travers le pays à tout. Et là, regardez nous-mêmes personnellement, nous t'ai toujours dit, on prend c'est que ça le problème, ça son problème chronique. Chaque année, il est tout répété. Et nous croyons que Mounio, même pas chaque année, pas capable de vivre dans la même situation. Hein? Et c'est ça que fait nous-mêmes, notamment après une fin de conférence de presse, nous avons pris dans la primature, pour aller pour rendez-vous avec le Premier ministre, avec le ministre de l'Agriculture, de telle sorte que pour être capable d'insérer dans le budget un fonds de calamité, de telle sorte que même j'en ai fondu j'en sens, de telle sorte que les problèmes ça a posé, on prend des équipes à chaque année pour une conférence de presse, bagaille, pour garder, pour être capable d'alerter Mounio. Cela veut dire que le problème dans lui-même, lui toujours, nous supposons poser, on prend des équipes dans la structure, de telle sorte qu'on prend des équipes pour être capable de parler de la situation Mounio, parce que l'organe de Mounio, on prend des équipes qui ont une capacité pour le travail. Par exemple, si vous prenez monsieur ou sous côte la compte tout dit, il y a une capacité pour pêcher. On prend dire que vous détruit tout matériel, vous avez gagné dans l'an, mais on prend dire que pour permettre pour permettre pour promouvoir pêche là dans zone non. Et là regardez sous Bombade, sous BDN, sous Ansouj, sous Mol Saint-Nicolas, sous Jean Rabel et pour citer dans tout dans tant d'autres communes dans le pays, j'ai une situation présentée là, je dis on prend dire que c'est nous présentons là, je dis assez pour être capable d'alerter. On prend que l'opinion nationale, notamment l'autre branche de pouvoir, on prend que pour nous garder comment on est capable de faire des interventions pour capable venir à la rescousse des Mounio. Je crois que même question fond de calamité, ça, ce n'est pas année à nous poser. Nous avons posé dans le budget passé autour de telle sorte que pour être capable d'insérer. Parce que si par exemple, un problème qui pose, c'est chaque année, c'est ça que je dis tout à l'heure, ce n'est pas qu'on y a, c'est pas chaque année pour nous poser problème. Non. Et problème nous poser, on prend que c'est juste, on prend que pour. Son problème, on prend que pour être capable de mettre dans le cadre de structure, de telle sorte qu'on prend que pour Mounio, on prend que on est chaque année, on prend que les problèmes n'ont posé, on prend que l'État capable de faire des interventions auprès de Mounio. Nord-Ouest, ou bien bas Nord-Ouest, ou bien Far-Ouest, Jean-Yo Dilan, gagne possibilité pour que nous produisions manger, non seulement pour permettre que nous baillons le département manger et toute l'autre zone qui est avoisinante, mais nous avons besoin d'excédents qui pour permettre que, un, nous voyons sur le plan national vinvan et ensuite, arriver à exporter ça nous gagne et qui plus là. Donc, ça nous constate, et ça nous a dit, tant que mes collègues ont dit, l'enfant d'urgence là, je crois que l'État doit jouer une formule qui pour permettre que le gain des situations, ça y est, pour gain des interventions ponctuelles qui pour faire. Si nous pas préparé saison et pluvieuse là, mais quoi, nous pas arriver dans situation côté que si dans cette saison sécheresse n'a pas gagné de méthode par rapport à Jean ministère de l'agriculture, lui-même lui encadrer bac yo, donc n'a pas arriver dans situation côté bagarre là capable vinn plus grave. Et c'est pour ça que je crois que nous tous qui là, nous c'est des gens qui connent le travail. Nous connaissons qui ça pour nous faire. Et ce n'est pas seulement, c'est pour nous faire seulement travail la terre. Nous gagnons la mer qui est capable d'offrir nous des opportunités. Parce que nous sommes une zone qui nous gagne la mer presque 1500 km zone côtière. Alors que nous pas fait un lien qui a un rapport avec Ndadi, la pêche. Nous croyons que aujourd'hui, c'est le moment pour que nous demandions au ministère de l'Agriculture, nous demandions au gouvernement qui lui-même a un ministère de la planification, réorienter les ressources que nous gagnons. De sorte que si
période ça nous pas capable joindre du riz, maïs, pois, pitimi à toute l'autre m'ta dit bagaille nous fait en dans pays hein? Il faut que gagne de l'autre méthode qui pour faire que moun yo survive la période côté que qui gagne sécheresse là. Nous d'accord gagne un problème à travers le monde la question sécheresse. Mais si nous prenons des mesures côté que nous anticiper sous problème yo, moins sûr que n'a commencé pas diminuer sous quantité pression qui gagne jodi an sous paysan nou yo qui dans zone en souge paysan nou yo qui bombade qui bè de haine qui Jean Rabel et qui molle Saint-Nicolas tant que nous tendez CNS Adil certains gagne de l'autre commune qui fait partie de étude ça tout que ne pas citer c'est pas parce que négliger yo mais c'est parce que nous avons des responsabilités non seulement sous commune nous yo mais tout l'autre côté qui gagne même problème yo il faut que l'État réoriente mes ressources que nous gagnons pour permettre que nous capables faire face à situation ça yo surtout c'est des situations qui ponctuelles dans mi-temps année yo. Ça fait 18 mois, nous proposer des solutions à problème sécheresse là dans le pays. Nous connaissons une cause principale sécheresse là, c'est le déboisement, la coupe et des arbres de façon intensive. Donc nous disons qu'il y a une proposition de loi qui nous déposée dans le Parlement depuis 18 mois de cela sur le contrôle de la coupe des arbres et l'exonération des droits des douanes sur certains produits pétroliers et matériels énergétiques substituables au bois d'énergie. Donc pour le moment, ça, nous tout profiter de l'occasion ça, pour nous solliciter les bénéfices de l'urgence auprès du nouveau bureau de la Chambre des députés pour que la loi ça lui-même lui voter dans l'immédiat et ça pourra permettre que le pays lui-même lui doter d'un outil légal pour contrôler la façon que nous avons coupé pied bois dans le pays. Et nous disons solution à problème ça. Dans tout pays qui est toujours frappé par sécheresse, il a toujours mis en place un stock stratégique, un stock de réserve. À chaque fois que il y a sécheresse, pour enregistrer un déficit alimentaire structurel, et le stock ça lui-même lui permet tout, injecter stock ça dans le pays pour compenser le déficit alimentaire ça. Mais nous pensons que dans un premier temps, le gouvernement tente de poser des actions pour améliorer la disponibilité alimentaire dans le pays. Là nous dit en rouge, nord-ouest, il y a grand goût à cause des sécheresses, mais nous avons pas mal de ressources et de potentialités. Nous avons par exemple en rouge, BDN, Bobadopolis, nous avons une zone côtière, c'est une zone qui vierge. Et nous connaissons dans tout pays développé, zone côtière, c'est une zone qui est réservée pour millionnaires. Là nous prenons par exemple le cas du nord-ouest, nous avons trois rivières qui ont une rivière avec un débit d'environ 6 mètres cubes d'eau à la seconde, qui peut permettre. Qui est capable de permettre d'arroser des centaines d'hectares de terre. Et si le projet arrive à réaliser, nous sommes seulement capables de produire céréales pour nourrir tout pays et même exporter sur plus. Et deuxième solution, nous sommes capables de dire qu'il y a le fait dans l'immédiat, c'est améliorer l'accessibilité alimentaire. C'est le plus gros problème ça qu'il y a dans le pays actuellement. Bien manger, c'est des produits importés, mais taux de chômage est très élevé, population pas de travail, il n'y a pas d'accès à manger ça ou qui est disponible sur le marché. Comment pour améliorer l'accessibilité à l'alimentation? Eh bien, c'est créer des emplois. Identifier des activités communautaires à travers des campagnes de food forex, de cash forex. Cash forex, là, pour permettre nous injecter des vivres alimentaires pour nous compenser le déficit alimentaire. Et cash forex, là, pour mettre plus l'argent en circulation, créer emploi à court terme pour que les populations eux-mêmes, conditions de vie, capables d'améliorer. Et moi, je pense que si il y a une volonté réelle, bon côté gouvernement, il y a des moyens qui sont disponibles pour résoudre ensemble des problèmes.